Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on vous présente une partie de nos achats. Donc, il y aura des petits goodies et des bougies qui sont ici. Parce que j'aime les bougies, pour ceux qui ne savent pas, je les collectionne. Ça a commencé avec des box grâce aux box littéraires. Voilà. Alors, Camille. On va commencer du coup avec l'Indoraptor en figurine pop, du coup tirée de Jurassic World Fallen Kingdom, donc le deuxième Jurassic World. On l'a trouvé dans le magasin Album, il me semble, sur Paris. Elle coûte assez cher, mine de rien, faut compter 30€, donc on sait pas si c'est... Ils sont sucrés, là, sur le coup, je pense qu'ils sont sucrés. Bah après, je sais pas trop, parce que les grosses figurines pop comme ça, elles coûtent assez cher, mais c'est vrai qu'il est joli. Enfin, c'est pour ceux qui aiment Jurassic World, les dinosaures, les machins, bon, voilà. Sachant que je prends toutes les pop dinosaures que je trouve pas les humains, même pas Jeff Goldblum. On n'a pas le Stico... Stiggy Moloch. Ouais, c'est un nom imprononçable. Voilà, le Stiggy truc. Voilà, celui qui a une tête dure. Voilà, celui qui a une tête dure. Oh, il a son petit socle. Bah oui, il a son petit socle. Attends, faut qu'il soit à l'aise, le pauvre. Il va détruire la ville entière. Il y a un petit picot dans le pied, mais bon, ça. Ah là, le petit picot. Il est pas mal. En train de chasser, pop, là. Ouais. Ah, il rend bien. Le doré et tout. Bon, évidemment, c'est une pop. Il y a des défauts de collage, il y a des défauts de peinture. Mais il est pas mal. Hein. La position vraiment de prédation, là, j'aime beaucoup. Là, j'aime bien. Le côté qu'il soit très intelligent, encore plus que l'Indominus, la manière dont il utilise les mains pour ouvrir les portes et tout, je trouve que c'est assez fou dans le film. Même si j'ai pas aimé la première partie du film, dites-nous ce que vous en avez pensé de Fallen Kingdom, parce que quand il y a tous les dinosaures qui meurent, et ben moi j'ai trouvé très très triste et j'ai eu les larmes aux yeux pour le Brachiosaur. Bah, figure-toi que je sais pas si c'est vraiment comme dans le film, mais j'avais jamais remarqué qu'il avait des petites taches mauves en fait sur son liseré jaune. Et grâce à la figurine pop, en fait, j'ai remarqué ça. Et je ne savais pas. Dis-nous hein, s'il y a vraiment ça dans le film, parce que j'avais pas fait gaffe. Ouais, j'ai pas fait. Faut qu'on le re-regarde, on l'a en Blu-ray de toute façon. Après, pour ma part, je trouve que le plus puissant, ça reste ceux en fait de la colonie du Crétacé avec le mélange Scorpion. Les Scorpius Rex là où je sais plus comment il s'appelle. Il est pas mal non plus. C'est vrai que la version où il est ultra intelligent et sous du film est pas mal, mais alors avec les Scorpions qui balancent des pics et tout. Ils sont pas aussi intelligents, voilà. Mais le fait qu'ils arrivent à se reproduire eux-mêmes, c'est un truc de taré. Aller voir la colonie du Crétacé. C'était pas mal, ça fait très enfantin. C'est pour les enfants, mais les grands, dans la plupart des épisodes, on trouvait quand même quelque chose d'assez sympa. C'est vrai. Voilà. Allez, donc... suivant dans les jeux, c'est plutôt pas mal. Une box d'enfer. Alors ça, c'est grâce à Benjamin, parce que je les avais pas vus. Ouais, je suis tombée dessus par hasard. On est sur de la Jurassic World officielle. On a une petite peluche toute mignonne d'un mosasaur. Et je trouve qu'il est sublime. Je l'adore, il est tout doux. Ça va dans l'eau, hein, les mosasaurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petites nageoires. Et on a également Blue. Sachant que nous, on a trouvé à 9,99€ les peluches. Et que sur Amazon et sur Internet, elles vendent extrêmement cher. Et le mosasaur n'existe pas. Il n'est pas référencé sur Internet. Très beau. On les a trouvés en fait sur Rouen, dans le truc où il y a la Fnac. Je ne sais plus comment elle s'appelle, sa galerie commerciale. Il y a un super... Je ne sais pas si on peut les trouver dans d'autres magasins. Mais en tout cas, nous, on les a trouvés là-bas. C'est à King Jouet, je crois. King Jouet, Jouet Club. Ouais, voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur Blue, c'est que pour les petites griffes, quand ils ont découpé, ils ont fait une plus grande pour faire justement la fameuse griffe du Vélociraptor. C'est vrai. En tout cas, ils sont très très beaux. Très beaux, très doux, officiels. Comme ça, j'aime bien. Ah, j'adore. Elles sont douces. Hein. Après, je ne pense pas que vous pourrez offrir ça à un jeune enfant. Elles sont beaucoup plus douces que le Totoro. Oui, mais lui, on le cache. Il est, voilà, il est différent. Il est joli, mais il n'est pas doux. Non, il est rêche. Bon, bref, restons sur les dinosaures que je trouve très très beaux. Quand je suis tombée dessus, j'étais là, waouh. Puis pas si cher, hein. Elles font 18 cm de haut. Ouais, puis il y en a d'autres, hein. Il y a le Carnosaur. Non, il y a le T-Rex. Le Carnosaur aussi. Non, il y a le T-Rex. Bah, il y avait un rouge. Non, oui, c'est le T-Rex. Ah, ok, c'était le T-Rex. Je pensais que c'était un Carnosaur. C'est le T-Rex. Bon, bref, c'est pareil, en toute façon. Alors là, c'était... Et là, on tombe sur le truc le plus rigolo, les Mystery Box. Voilà, on en a d'autres aussi. Donc, il y avait des unicornos, donc c'est des petites licornes, qui sont du coup déguisées en animaux du calendrier chinois. Donc, ouais. On a le coq, la souris, alors, la chèvre. Alors, je sais pas pourquoi, Camille est partie là-dessus, elle a changé tout à fait d'ambiance. Elle se passe du dinosaure mangeur et pas du tout vegan à les petites licornes qui font prout. Et eux, ils viennent de Album sur Paris. Sachant qu'en collector en rare, il y a l'année de Ox, c'est Buff, l'année du Buff en doré et l'année du dragon également. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir le lapin ou
fait, sauf le serpent que je trouve très laid. J'aime pas le serpent. Bah, il est gris, en fait. Moi, je préfère avoir le singe et le coq. Allez, on va ouvrir, on va voir ce qu'on a. Bah, je te laisse commencer. Bah, on ouvre en même temps. Non. Oh. Donc, Camille a ouvert sa boîte. Avec mon doigt. Je pense qu'elle aura la biquette, là, le petit... Hop, voilà. Le bélier. Alors, le bélier et la chèvre. Oh, j'ai pas envie de la chèvre, moi. Je sais que t'es chèvre, crapaud. Oh! Le coq! Oh, le coq! Oh, il sent! Il sent le chimique! Ça. Le coq, il... Oh mon dieu, son masque sur le visage, bon, ça va. Non, ils sont sympathiques. Elles sont assez grandes, je pensais qu'elles étaient plus petites. Hein. Mais on a le goldé, là. Non, non, c'est le dragon et le bœuf. Ah non, il est doré, d'accord, de base. Il est doré, okay. De base. Bah, en fait, il est plutôt pas mal. Avec un petit arc-en-ciel, un petit poussin sur la cuisse. La queue qui fait plume de coq. Mine non, mais il y a pas mal de pas trucs. C'est pas mal hein. Travaillé, vraiment. Ouais. Mais il y a pas mal de détails. Il y a même une sorte de tatouage de rebelle et tout, de poussin. Ouais. Non, c'est pas mal. À toi, ouvre le tien. Alors, à moi. Et j'ai le renard. Le chien. Le chien, ok, le Shiba. Ah, il est pas mal. J'avais pas remarqué qu'elle avait pas un... Le chien. Elle a un collier qui pique. Elle a un collier à pic, elle a un petit museau. Oh, franchement, c'est pas mal. Elle a des fleurs de prunier sur le côté. Ou de cerisier. De prunier. De prunier, d'accord. Non, c'est pas et mal. Et une queue de Shiba qui... Un collier de chien, enfin, non, c'est pas mal. Alors, c'est travaillé, mais c'est vrai que c'est pas le plus beau. Moi, j'aime pas trop. Cette langue chimique. Il a léché des choupa choups, le truc. Il a léché les stabilos, surtout. Là, c'est les stabilos roses. Ouais, ça a la même vrai, couleur, je suis désolée. Hein. Non, mais c'est pas mal. J'aime bien. C'est pas ça que je voulais. Oui, mais c'est quand même bien. Alors, moi, j'aime bien. Alors là, c'est le Vivid Cat. Alors, depuis qu'on avait fait les achats Amazon, Benjamin était fan des Vivid Cat. C'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as. Je pouvais le chercher longtemps, mais je me suis douté. Je l'avais détourné. Ouais, comme ça, c'est moi qui l'ouvre. Mais oui, de toute façon, tu l'auras ouvert, Benjamin. C'était le tien. Donc, on peut avoir un chat enfermé dans un lave-linge, sur son lit, dans son bain, sur des poids, en train d'écouter de la musique et dans le panier de pain. Plein de chats. Moi, j'aimerais bien avoir celui qui pionce au milieu des baguettes. Moi, j'aimerais avoir celui qui est dans sa petite capsule de l'espace. J'ai plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est celui qui écoute de la musique, on dirait un peu plat. Celui qui écoute de la musique sera... Donc ça fait des gros trucs comme ça. Ils ont laissé en fait des petits trous afin que le chat puisse respirer. Voilà. On ne maltraite pas les animaux. Oh non, c'est celui qui a trop bu. Le Milky Leak, je sais pas. Ah, le Lazy Laying, donc celui qui se pose feignassement. Oh, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il a une gueule ce chat. C'est très blanc par contre, il y a beaucoup de blanc. J'aurais pu mettre un socle d'une autre couleur. Histoire de faire ressortir. Par contre, ils lui ont pas mis des coucougnettes comme notre peluche chat ici présent qu'on avait eu sur AliExpress. Parce que ce genre de produit, vous pouvez trouver ça sur AliExpress aussi. On en avait unboxé un qui se retrouvait dans le KFC. Bucket là, de KFC. Et celui-là, il est pas entier, mais il est beau. Voilà. Et il boit du lait. Il boit du lait. Une figurine trop belle. Ah, toi, pour les bougies. Alors vas-y, alors on a acheté ça à Veules-les-Roses en Normandie. Qui se trouve être un village très joli, si vous passez dans cette région-là, il faut aller voir. Il y a des rosiers partout. Et il y a une maison qui vend en fait, voilà, qui vend des super bougies et même des bombes de bain et d'autres produits en lien avec votre baignoire. Tout ce qui est en lien avec la saponification. Waouh, ok. Alors là, c'est le combo quoi. Et du coup, on a acheté en fait deux bougies dans ce magasin-là. On en avait déjà acheté précédemment, mais on les a fait fondre. Ouais, et vous pouvez avoir certaines avec des petits décors en fait sur le couvercle. Ah, attendez, je vais vous montrer. Ok, bon, on va chercher. Alors, les petits couvercles colorés, on va dire rigolos, il y a des lamas, des machins, des cactus, des chats, des chiens. On avait pris une licorne, c'était la Pacifica, donc elle est dans la salle de bain. Mm. Elle sentait de mémoire la barbe à papa. C'est écrit dans le dos ce que c'est. La cire de soja, Normandie. Non, et là, ils mettent que cire de soja. Ils mettent pas après la senteur. Enfin, en tout cas, ça sent bon. Ça sent bon et il y a une petite licorne aquatique avec Nemo et voilà. Mm. Donc ça, c'est dans la salle. Ouais, parce que c'est avec le couvercle un peu designé. Sinon, c'est juste un couvercle de pot de confiture. Et voilà, classique. Pour la bombe de bain, j'ai gardé une en petit renard parce que je la trouvais très mignonne pour faire de la déco. Et elles sont plutôt bien. On a testé dans le bain, ça... C'est comme Lush en fait, peut-être en moins chimique en odeur. Moins chimique, je pense. Mais dans le principe, c'est plus ou moins ça.
Sinon, là, cette fois-ci, on a pris, en fait, la El Diablo. El Diablo. Du coup, elle est très simple. On retrouve, en fait, des petites paillettes, une couleur autour du rouge, jaune, etc. Un décor comme si c'était mis à la douille quand on fait la pâtisserie. Comme sur les cupcakes, en fait. Vraiment, c'est un cupcake, mais à l'intérieur d'un pot de confiture et c'est de la cire. Senteur, du coup, citron vert, gingembre et cassis. Et bah, ça sent... C'est très... un petit peu piquant, mais très acidulé. On la met dans le salon et en fait, comme on a tout petit chez nous, ben ça sent dans la chambre aussi. Ouais, ça embaume bien. Ouais. C'est, je vous les conseille, en tout cas, elles sentent bon. Elles ont duré au moins un an comme ça avant qu'on l'allume et elles sentaient Plutôt bon, la, ouais, la Pacifica. Bon. L'odeur c'était pas estompée, c'était très bien. Alors là, c'est la Quasi World, voilà. Avec du coup des petits lapins sirènes, un petit rhinocéros sirène, un hippopotame sirène, tout sirène. Et donc là, on est sur un parfum verveine, donc quelque chose de plutôt doux. Et c'est vrai que c'est un peu... Alors, c'est la verveine citronnée. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu acidulé, donc ça, c'est plus pour la chambre. Pour l'instant, on en a une à la myrtille dans la chambre, donc on attend qu'elle... Voilà. Moi, j'aime bien, je trouve ça vraiment très frais, ça fait un petit peu enfance, en même temps, c'est chaleureux. C'est réconfortant, ouais, comme odeur, j'aime. Je trouve que ça fait vraiment pour... Pour l'intérieur d'une maison, je trouve que c'est doux, même pour une chambre. Enfin, je vous la conseille, si jamais vous passez à Veules-les-Roses, bah, je vous conseille d'acheter ça là, ça fait une odeur très intéressante. On aime beaucoup. Donc, après, on a été trois petits pots dans le vieux Rouen. Dans le vieux Rouen. Non loin de Lady Cake, je crois. Dame Cake. Alors du coup, la boutique s'écrit dessus. Hop. C'est les bougies de Charroux, fabriquées à la main à Charroux en Auvergne. Donc voilà, apparemment elles sont quand même, comment dire ça, pas bio, mais elles sont... Artisanales, j'imagine. Ouais, avec des produits sains, ils sont pas trop chimiques. Je crois que même qu'ils sont homologués comme quoi elles sont de bonne qualité et avec des produits naturels. En tout cas, je crois que c'est ce qu'elle nous avait dit, la vendeuse. Effectivement, ça sent vraiment bon, ça sent pas du tout le chimique. On est sur un format beaucoup plus petit que ce qu'on vous a montré précédemment. Voilà, je sens d'ici déjà. Celle-ci, c'est celle à la myrtille. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus la cire en elle-même et après, vous avez l'odeur naturelle du produit. Mais c'est vrai que ça sent bon. Moi, j'aime bien. Faut aimer après la myrtille, on en a déjà une comme ça. Là, c'est myrtille figue. Et c'est vrai qu'il y avait myrtille, enfin, il y avait une centaine de parfums différents. On n'a pas tout senti, évidemment. Mais... La myrtille figue, on va dire, il y a le côté de la figue qui va apporter un peu de douceur, un peu de rondeur à la myrtille qui peut être un petit peu acide en termes d'odeur et de goût d'ailleurs quand on en mange. Mais on aime beaucoup, enfin ça c'était la sélection, on aime bien acheter, on était d'accord tous les deux. On aime bien acheter les bougies, dites-nous aussi en commentaire si vous aimez bien, aussi. Si vous collectionnez les bougies. Parce que je commence à en avoir énormément, on avait même eu des bougies avec la woodbox où c'était avec le Joker, il me semble. Et comme on avait dit, avec les box littéraires, j'en suis toujours content, je trouve ça vraiment. Alors là, c'était un des coups de cœur de Benjamin, c'était la melon pastèque. Ah. Et c'est vrai qu'elle sent, vraiment la pastèque pour le coup, moi je trouve, plus que avec le melon. Un peu. Bah le melon, je dirais plus le melon d'eau, le melon jaune, le pommelon. Crois. Non, le c'est un melon jaune, enfin il est beaucoup plus long. Ah oui, un peu, on dirait un melon de rugby. Ouais, voilà. Non, plus petit. Oui, je sais que dans certains pays, ils appellent ça le watermelon, mais je sais qu'en anglais, c'est le melon. C'est la pastèque. Enfin, mais il y en a d'autres qui font le distinguo entre les deux, en fait, donc c'est pour ça. Après, ouais, mais ce que j'appelle ça, c'est vraiment le melon assez allongé, jaune, du coup, je crois que c'est melon jaune qu'on appelle ça, enfin bref. Et je trouve qu'on sent plus l'eau sucrée, enfin, un peu fruité. Tandis que nous, ce qu'on met, on distingue pas vraiment le melon. Enfin, nous, ce qu'on dit melon, c'est vraiment la boule avec la chair orange, quoi. Enfin, le melon qu'on trouve partout. Mais moi, j'aime bien. Plus j'ai découvert salle de bain ou sa pièce à vivre. Ouais, j'ai même découvert sur Rouen Pina Colada melon. Étant fan du melon, j'ai trouvé ça très bon. À la fabrique sur les quais de Seine. C'est ça. Et là, du coup, c'était ma sélection à moi, donc un peu comme dans l'esprit verveine. C'est différent, c'est plutôt doux. Moi, j'aime les odeurs douces, végétales. Là, c'est bambou. Et pour le coup, bambou, il m'évoque un peu plus le, je sais pas, le savon. Quelque chose de nettoyant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce qu'on retrouve, je pense, le bambou aussi dans les produits shampoing, etc. Je sais comme pas un trop. Peu la fleur de coton. Ou le coton, je sais plus si c'est fleur de coton. Mais c'est pas une fleur de coton. Vraiment, on va plutôt être sur un savon classique avec une petite pointe végétale. Et là, c'est vrai que celui-là, c'est très salle de bain. Je trouve. Ou lessive. Je trouve que ce serait pas mal pour une odeur de linge propre. Voilà. Ça fait le propre. Voilà, moi j'aime bien aussi. Donc, en tout cas, on a été contents de vous partager en fait tous nos produits qu'on a achetés. C'est vrai que il y aura d'autres unboxings qui vont se passer parce qu'on a acheté aussi des mangas et des romans.
On a fait un petit peu ce qu'on achète en règle générale, c'est-à-dire des mangas, des figurines, des trucs un peu plus geek, des peluches et surtout des bougies. Et on trouve ça plutôt pas mal, comme ça il y a des senteurs, il y a des textures avec les petites Dites-nous peluches. Quel produit vous auriez aimé acheter, est-ce que vous les connaissiez déjà, est-ce que vous les avez déjà croisés, et puis dites-nous quel est votre produit préféré. Pour moi je trouve que ce sont les deux petites peluches qu'on a trouvées ça nulle part, alors qu'on fait régulièrement les magasins de jouets. On regarde aussi régulièrement sur internet, on a même regardé sur internet en rentrant, on n'est pas tombé. Le mot Sazor n'est même pas sur internet. Non, donc je vous conseille de peut-être checker dans vos magasins, en tout cas ceux qui sont en Normandie, vous pouvez toujours aller voir à Rouen ou là où il y a la FNAC. Là où il y a la FNAC, c'est un jouet club ou qui là. Je ne pourrais pas vous dire s'il reste encore du stock, en tout cas qu'on a été, il restait le T-Rex ou le Carnosaur, je ne sais pas. Camille dit qu'il y a un T-Rex, donc vous verrez rien. Ça coûte 10 euros, je le rappelle, donc je trouve que ça va pour une petite figurine comme ça. Blue, qui est trouvable sur internet, elle est quasiment le double sur beaucoup de sites. C'est vrai. Alors soit ils se sont plantés quand ils nous ont mis l'étiquette, mais en tout cas c'est pas cher. Et sinon, pour petit point aussi, faites attention quand vous achetez ce genre de figurines, et pareil pour les petites licornes, de bien checker en fait s'il y a plusieurs magasins, de comparer, parce que nous on les a achetés sur Paris, et de Album à les autres magasins autour, il s'avérait que Album les vendait quand même au prix internet, donc autour de 8, 9, 10 euros, tandis que les autres étaient vraiment autour de 15 euros, 13 euros. Donc ça fait quand même à force une grosse différence. Après, à vous de voir ce que vous préférez, dépenser votre argent, etc. Mais petit conseil, checker avant d'acheter. Ça coûte rien de faire un aller-retour, surtout s'ils sont juste à côté. Et sachez que c'est à peu près le même prix sur AliExpress. Sachant qu'on n'a pas fait d'achat AliExpress depuis la hausse, les taxes, les machins, qui posent problème à pas mal de vendeurs de box, par exemple. Surtout Neon Box, désolé pour vous. Et checker, c'est pour ça que vérifier, parce que sur internet, les Vivid Cat, ils sont à 9,99, 10 euros. On les a trouvés à ce prix-là à Album sur Paris. Et dans les boutiques à côté, on a vu 15 euros, je crois, le Vivid Cat. Et je crois que c'était 13 euros le petit unicorn. Et puis il y en avait plein d'autres comme ça de produits, on va dire, AliExpress, puisque c'est là que tu les trouves beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai que on n'est pas du tout sponsorisé par Album, mais si je peux vous conseiller, ils avaient l'air d'être plutôt sympas, il y a pas mal de produits, donc si vous êtes dans le coin et que vous avez un magasin Album, checkez, parce qu'en fait les prix sont pas trop chers. C'est pas abusif, non. Donc voilà pour le petit conseil. Voilà, dites-nous si vous connaissez boutique, si vous voulez nous en recommander. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à la prochaine. Salut.